Mercato 2023. Le jeune joueur camerounais Jom Bilecki signe à Sheriff Tiraspol, club de première division moldave, et quitte la deuxième division belge. Selon certaines informations données sur le transfert 6 mois après son arrivée en Europe, Jérôme Njom Bekeli change déjà de club et s'engage en première division moldave. Direction la Moldavie pour l'international camerounais Jérôme Njom Bekeli. Arrivé au SK Beveren en janvier dernier, l'ailier des Lions indomptables a écourté son séjour en Belgique pour rejoindre un club de premier rang en Moldavie, le Sheriff Tiraspol. C'est sans doute la non-accession en première division belge qui a motivé le départ de l'ancien pensionnaire de la Colombe du DJA et Lobo. Avec le SK Beveren, il a pris part à cette rencontre et a délivré une passe décisive. À 24 ans, Njom Bekeli va sans doute dès la saison prochaine faire ses débuts en Ligue des Champions. En effet, le 12 juillet prochain, le Sheriff Tiraspol rencontre le Farul Constant. Match comptant pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pour la suite, le jeune milieu de terrain camerounais devrait être déjà concentré pour son nouveau club. Le milieu de terrain Olivier Tcham pisté par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano est très intéressé par le profil du milieu de terrain camerounais de Swansea, Olivier Ntcham. Le club espagnol souhaite renforcer son entrejeu. Pour ce faire, les dirigeants du Rayo ont jeté leur dévolu sur Olivier Ntcham, 8 buts et 3 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Swansea. Cependant, le club espagnol ne propose que 1,7 million d'euros pour s'attacher les services du Camerounais. Swansea, de son côté, réclame 5 millions d'euros minimum pour laisser filer son joueur. Âgé de 27 ans, le joueur formé à Manchester City a encore 1 an de contrat avec le club de Championship.